Goedemorgen, middag of avond en welkom bij de kwartaalupdate van Infinigate Belgium. Mijn naam is Fenja en naast mij staat zoals altijd mijn goede vriend Bijan. Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous trimestriel de news. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle mise à jour, car nous avons beaucoup de choses à vous raconter, comme d'habitude. Weet je wat mij is opgevallen, Bijan? Non, dis-moi. Zou het kunnen dat ik afgelopen week enkele nieuwe gezichten bij ons op kantoor heb gezien? C'est tout à fait exact, tu as raison de mentionner. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe et Norik. Ils rejoindront l'équipe Inside Sales. J'en profite également pour vous signaler que Kelly Van den Brande, qui va sûrement manquer à nos clients, passe de l'équipe Inside Sales à Team Leader Back Office. Et enfin Jesse, qui vient renforcer l'équipe Back Office. Mais il y a d'autres changements encore, non? Jazeker, Kenny Mertens is vanaf nu de accountmanager voor WatchGuard. Ook Johan Kools heeft een nieuwe rol op zich genomen sinds 1 april. Hij is commercieel manager voor België en Luxemburg. In deze positie zal hij onder meer het back-office team ondersteunen, maar ook het verschaffen van sales, data, insights. Ook focust hij zich op Vendor Alliance, de ondersteuning van sales en het algemeen operationele management. Et ça fait beaucoup de changements une fois. Et c'est pas tout, parce qu'il y a encore une big news. Mr. Christophe Boulanger nous a rejoint en tant que Business Unit Manager pour l'équipe Sales. Il apporte donc avec lui un réseau de connaissances qui apportera sans aucun doute une nouvelle dynamique à notre équipe. Dis-moi, Fenja, mais je pense que toi aussi tu as une promotion, non? Klopt, mijn rol is nu Internal Business Development Manager, Vendor Enablement. In deze rol focus ik mij vooral op het enabelen van vendoren op marketinggebied, interne merkbekendheid, events en nog veel meer. Eh bien, écoute, toutes mes félicitations et succès dans ta nouvelle fonction, en tout cas. Et passons maintenant à nos événements. Quels événements intéressants Infinigate nous offre cette fois-ci? Wel, het event van het jaar is op 29 en 30 mei en dat is CyberSec Europe in Brussel. Ik heb er al super veel zin in, want onze stand gaat beyond expectations zijn in samenwerking met onze partners en vendoren. Eh bien, ça paraît super intéressant. Et en effet, pendant cet événement, vous allez faire connaissance avec nos rockstars sur nos réseaux sociaux et rencontrer les membres du groupe en personne sur notre centre d'exposition. Vous pouvez dès lors nous trouver à Bruxelles Expo, hall 5, C046, et non, c'est pas touché coulé. Vous pouvez encore vous inscrire via le lien ci-dessous. Alors, qu'en est-il des autres événements? We hebben voor ieder wat wils, Bijan. Op 23 april organiseren we met Microsoft een workshop over How to Optimize Your Azure Business. Inschrijven kan nog steeds en kan via onze website. En dat is nog niet alles, want op 24 april is er een Interest Webinar. In deze presentatie kom je meer te weten over het veranderend landschap van digitaal certificatiebeheer. Een van mijn favoriete topics. Heb jij nog een nieuwtje, Bijan? Tout à fait, j'en ai. Et cette fois, il s'agit de Fortinet, qui organise un hacking challenge le 24 avril à Liège. Ce jour-là, vous en apprendrez davantage sur le sujet « Comment protéger votre entreprise contre le hacker ?» en découvrant comment le hacker opère. De plus, vous aurez également la chance de gagner de beaux cadeaux. Ça vaut vraiment la peine de s'inscrire, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant. Cool. Mais moet je ook niet leren hoe jezelf te verdedigen tegen die hackers? Effectivement, Fenja, et là tu vas un peu plus vite que moi. C'est pour ça que le 14 mai, on organise la deuxième session, qui est le Fortinet Defense Challenge. Et lors de cet atelier, vous apprendrez comment vous protéger contre le hacker. Ah, top. Un must attend dus. Et nu we toch over Fortinet praten, deel jij meteen de webinars mee? Mais je le fais avec grand plaisir, Fenja. Le 26 avril, on organise un webinar MSSP avec Fortinet où les alternatives du FortiManager seront présentées, le tout dans le cadre du FortiCloud. Ensuite, le 23 mai, il y aura un webinar FortiSASI où les besoins de sécurité dynamique d'une entreprise moderne seront discutés en combinant les fonctionnalités de sécurité réseau avec les capacités WAN. Et enfin, last but not least, nous organisons un webinar FortiDeceptor où les avantages seront expliqués à l'aide d'une démo par nos technicals. Ook Rapid7 organiseert nog een webinar op 15 mei over het beheer van cloud-risico's. Een kwartaal vol met educatieve content dus. Maar a little bird told me dat de plaats al snel vol lopen, dus snel registreren is de boodschap. Eh bien, ça m'a l'air cool tout ça, mais ce ne sont pas tous les événements, il y en a encore. Nee, klopt. Hou een oog in het zeil op onze website en je mailbox, want we hebben nog zeer spannende tech brunches aan te kondigen met WatchGuard over XDR en MDR, Entrust en Cato Networks. En dit allemaal op unieke locaties.
Ben, Fania, ça me paraît quand même un agenda bien rempli. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Inderdaad. Bedankt en tot de volgende keer. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.